Salut! Dans la vidéo précédente, on a parlé de c'était quoi les douleurs myofasciales. Pour faire suite à cette vidéo-là, aujourd'hui, je vous donne des conseils et des méthodes pour réduire les douleurs et les prévenir. Première façon, c'est l'exercice, bien sûr. Mon premier conseil, ce serait de toujours vous faire évaluer dans tous les cas avant de faire, quelle que soit la méthode, par un kinésiologue, bien sûr. Avant de choisir c'est quoi la meilleure méthode, puis pour être certain que le problème n'est pas plus grave. Alors, la méthode de l'exercice pour prévenir et régler les douleurs. Pourquoi? Parce que quand le muscle est faible ou fatigué ou très, très raide, donc ce qu'on parle dans les exercices, il y a aussi des étirements. Donc, toutes ces choses-là, avec l'exercice et les étirements, on peut augmenter la force, l'endurance et on peut éviter les blessures. Donc ça, c'est la première façon. Façon numéro deux, c'est le repos. Okay? Parce que quand on fait des mouvements répétitifs ou quand le muscle devient fatigué, c'est là que les points, les trigger points peuvent sortir, les nœuds. Okay? En ce qui a trait au repos, je vais parler aussi des blessures. Si on se blesse, c'est important de se reposer et de reprendre l'exercice graduellement. Ça, c'est un point qui est important aussi pour ne pas créer des douleurs myofasciales. Ensuite, un point que j'aime beaucoup, c'est le massage. Je vais parler de plusieurs équipements qu'on peut utiliser, puis même des choses qu'on peut avoir à la maison. Alors, pour le massage, ça se fait avec les mains aussi, mais c'est un peu difficile de pouvoir s'occuper de son corps au complet parce que nos mains ne se rendent pas partout. C'est pour ça que ça nous prend aussi des équipements. Par exemple, si je vois pas d'équipement, je rencontre un client là, qui me dit, ben moi, j'ai aucun équipement. Ça peut être les mains. Donc, si on a des douleurs sur le devant du corps, ça va être de se servir de nos mains. Si vous écoutez la vidéo précédente sur les douleurs myofasciales, vous allez savoir qu'un nœud, il est palpable. Donc, on va le savoir, le point, il est sensible. Si par exemple, j'ai une douleur sur mon quadriceps, en haut de mon genou ou proche de mon genou, je peux tâter ma jambe dans le but de la détendre. C'est pas obligé d'être violent. Donc, on va venir masser son muscle à sa façon pour que ça fasse du bien. Mais il faut que vous soyez capable de détecter la partie qui est la plus rigide, la plus dure, où est-ce qu'il y a le dit nœud. Ça, c'est une façon qu'on peut faire avec les mains. Ensuite, si on veut faire quelque chose, disons, dans le dos, dans la fesse, on peut utiliser des balles, balles de tennis aussi, ça va, c'est pas obligé d'être une balle de massage d'une certaine marque. Mais moi, je vous montre les miennes. J'en ai une ici. Donc, grosseur balle de tennis, mais celle-là, elle est dure comme la roche. Celle-là, elle a des pics. Donc, celle-là, elle a comme aussi comme fonction de venir chercher un peu plus la peau. Donc, quand je vais me coller ça, même au travers de mon linge, ça vient chercher la peau. Vous allez savoir, si vous écoutez l'ancienne vidéo, que l'enveloppe du muscle a aussi rapport dans la douleur, le fascia musculaire. Alors, ça, c'est une façon d'aller chercher le fascia musculaire avec les pics. Si vous voulez, vous êtes assez brave pour essayer. Ensuite, un rouleau, ça peut être un rouleau à pâte si vous n'avez pas un bidule comme le mien. Celui-là, il est comme texturé. Donc, je peux m'en servir comme ça sur mon muscle. Dans plusieurs places, ça peut être aussi mon mollet. Je peux me placer dans différentes positions pour enlever ces nœuds-là. Un conseil pour toutes les méthodes. Pour les débutants aussi, c'est très douloureux, ce serait de maintenir le point. Pas trop bouger. Comme ça, on attend que la douleur diminue, on attend que le muscle se décontracte avant de continuer. Puis moins qu'on est sensible, plus qu'on peut y aller avec des mouvements qui sont répétitifs et dans le même sens. Selon la science, c'est de cette façon-là que ça relâche le nœud. Dernier équipement que j'ai à vous montrer. C'est un rouleau automasseur. Donc, il y a toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de textures. La mienne, elle est texturée avec des pics, puis elle est bien, bien dure. Donc, une façon qu'on peut utiliser un rouleau automasseur, c'est être sur le dos, on peut rouler comme ça doucement. Bon, oh, c'est quand même sensible parce que mon rouleau, il est assez dur.
Il va y avoir des vidéos qui vont suivre dans cet article-là pour donner des conseils pour différentes parties du corps. C'est là que je vais rentrer plus en détail avec ces équipements-là. Maintenant, je continue avec d'autres méthodes pour prévenir ou guérir les douleurs myofasciales. Donc, après le massage, je veux parler du stress. Le stress, c'est quand même important parce que si je parle de trigger point, c'est un point qui est surexcité dans le muscle. Alors, si on fait le lien avec son état émotif, si je suis dans un état d'alarme et un état de stress, d'anxiété, c'est sûr que mon cerveau, lui, il a tendance à plus être excité. Donc, tout ce qui est neurologique qui descend dans la moelle épinière, les signaux vont être augmentés. Donc, se détendre, se reposer, avoir des moments pour décrocher des sujets qui nous stressent, c'est déjà en partant une super bonne façon pour réduire les douleurs myofasciales. Ensuite, prochain point, c'est la posture. En ce qui a trait à la posture, il y a la posture quotidienne, il y a la posture que c'est notre habitude dans notre vie, comment on se tient, comment on marche, ainsi de suite. Puis, il y a les postures de travail aussi qui peuvent causer des douleurs myofasciales. Alors, j'aurais des conseils un peu différents pour les deux, comme par exemple, le travail, ce serait premièrement d'ajuster le poste de travail parce qu'on ne peut pas critiquer grand-chose à moins qu'on soit déjà bien placé. Ensuite, on peut regarder la posture quotidienne, donc ce qui serait à travailler via de la kinésiologie pour améliorer une posture dans le but de réduire les tensions myofasciales et les douleurs myofasciales. Un exemple que je pourrais donner, ce serait la tête projetée par en avant. Donc, quelqu'un qui serait à son bureau puis qui serait, disons, recroquevillé, arrondi et la tête projetée super concentrée comme ça. Là. Okay? On finit par avoir souvent des tensions dans le cou, dans le milieu du dos, il peut en avoir ici en avant. Donc, de rencontrer un kinésiologue, se faire évaluer, ajuster son poste de travail, renforcer le dos pour adopter une belle posture, étirer en avant pour réduire ce qui tire mon corps vers l'avant, ça, c'est toutes des méthodes qui peuvent vous aider à réduire vos douleurs. En ce qui a trait à la posture. Pour finir, je parle d'un point sans rentrer dans le détail, c'est l'alimentation et l'hydratation. Si nos muscles sont tout secs, ça veut dire mon corps est sèche, c'est sûr que l'élasticité et le glissement entre mes fibres ne se fait pas bien. Et le muscle n'est pas content, puis tout le métabolisme n'est pas content quand on n'est pas bien hydraté. Donc, ça serait juste d'adopter une alimentation qui est saine et une hydratation qui est adéquate. Okay? Que je pourrais dire sur l'alimentation? En général, ce serait de juste aller chercher le plus de nutriments possible puis d'équilibrer le tout. Puis, bien sûr, je connais de plus en plus de gens qui ne mangent pas le matin, par exemple. Donc, on passe la journée puis on n'a pas de nutriments dans son corps. Alors, c'est important de juste, en général, avoir une alimentation équilibrée. Alors, pour la suite, ce que je vais continuer avec dans les prochaines vidéos, ça va être des vidéos selon les régions du corps qu'on a des douleurs. Je vais vous donner quelques conseils et des méthodes à la maison qu'on peut utiliser pour se soulager ou pour prévenir. Salut! À la prochaine fois!